ceci est la deuxième des trois scénettes. Alors que les ouvriers ont tous rejoint leur lieu de travail, des femmes lavent leur linge le long du Mühlbach. Écoutons-les. Chips. Je passe mon temps à laver et repriser le linge. Ah, maintenant que la petite Finelle va également travailler, cela me fera encore plus de travail. Et avec ce bébé qui arrive bientôt. Hilnet, Finelle va te ramener un peu d'argent. Cela te permettra d'arrondir les fins du mois. Heureusement, car faire manger correctement mon mari et mes 8 enfants est pratiquement impossible. Tout augmente. L'autre jour, je suis allée à l'épicerie d'Auguste Schmidt pour acheter à manger. Les prix avaient de nouveau augmenté, et de beaucoup. Et pire, du coup, j'ai été voir dans les 19 autres épiceries de la ville. Tous leurs prix étaient pareils. Nous avons beau manger les patates et les légumes du jardin, je n'arrive pas à mettre un sou de côté. Halte, Henriette ! Ah, ces gamins, toujours à faire une bêtise. Et en plus, bientôt un nouveau-né. Vivement qu'ils aillent travailler avec leurs aînés. Eh, mais tu parles de la famille comme une corvée. Mais la famille est avant tout un lieu d'amour. C'est quelque chose de formidable. Formidable ? Ah oui, c'est vrai. Tu dois te préparer. Nous t'avons vu avec Eugène dimanche soir à la Kilp. Vous trémoussez sur la piste de danse, hein? C'est de ton âge. Et Eugène est plutôt bel homme. On dit qu'il fait un apprentissage comme boucher dans le nouvel abattoir de la ville. Un apprentissage? Mais de quoi parles-tu? C'est mon Jules qui m'en a parlé l'autre jour. Une nouvelle loi de l'Empire qui donne un statut à ceux qui apprennent un métier. C'est plutôt intéressant. Ne le laisse pas partir. Mets-lui le grappin dessus. Dimanche prochain, en quittant le Lion d'Or, tu l'entraînes discrètement vers le faubourg du Rhin. Là-bas, près de l'autre lavoir, il n'y a jamais personne la nuit. Tu pourras... Mais attention, hein. Le matin, de bonne heure, les premières femmes arrivent pour laver leur linge. Et si la vieille Germaine vous surprenait, tout Benfeld le saura dans la journée. Surtout le lundi, jour de marché. Les commérages circulent encore plus vite. vous partez déjà, Elgat? Eh oui, ma petite. J'ai beaucoup moins de linge que vous. Mon pauvre mari est mort, affaibli qu'il était par le manque de nourriture correcte. Et mon fils fait le service militaire pour le Kaiser. Moins de linge, mais aussi moins de revenus. J'espère simplement que je pourrai continuer à vivre dans le quartier des ouvriers, car de plus en plus de familles viennent des villages et demandent un logement. Pour éviter de déménager, je pars tout de suite en ville pour voir si un commerçant a besoin d'un journalier pour faire le ménage. Tiens, tiens, qui vient par ici? Lise, la servante de la famille Jäger. Laissons la place à celle qui lave le linge du beau monde. Oh là là, quel travail en ce moment! Du grenier à la cave, toute la villa doit être nettoyée. Et attention, madame surveille. Avez-vous fait la chambre d'amis? Là encore une poussière. Et puis, pensez à faire briller les lustres et les couverts. Et si, et ça. Mais pourquoi un tel acharnement? Vous ne savez donc pas? Le docteur Jäger reçoit. Et pas n'importe qui. La future belle famille de leur nièce. Celle qui est toujours chez eux depuis la mort de sa mère. Ils vont se marier? D'abord se fiancer. Le mariage viendra sûrement plus tard. Quel tralala!
Avec mon Jules, nous nous sommes connus en mai et en fin septembre, nous étions mariés. Cela dit, ça arrangeait bien nos parents, une bouche de moins à nourrir. Mais qui est ce fiancé des Jäger? Le père du futur marié est ingénieur. Il a actuellement une mission dans la filature de Utenheim et en profite pour passer chez les Jäger. En plus, devinez quoi? Quoi? Ils viennent de la France de l'intérieur. Ils sont français. Joséphine, ah ma Joséphine, nous te cherchons partout, au marché, dans les magasins, les jardins ouvriers, et enfin Helga m'a dit que tu étais ici. Ah, monsieur l'appariteur, mais que me voulez-vous? Il est arrivé un malheur à ton mari. Il est tombé de la cheminée, ce sont les travail. Viens vite. Oh, nénéné, t'es si chaucherée, cliché, minerlie avant Jules. Thank you.